Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord je tenais à vous remercier pour vos retours par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait donc sur les apps de gainage. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va s'attaquer aujourd'hui donc au bas du corps, donc petite séance jambes. Donc normalement ça va brûler. J'ai préparé une séance pour que justement on arrive à solliciter tous les groupes musculaires au niveau des membres inférieurs. Donc c'est parti, on va faire un petit échauffement pour commencer. Allez, on se positionne ici et on va venir monter le genou comme ceci. 1, 2, et 3, 4, 5, je remonte le ventre. 6, 7, 8, 9, et 10, je change de jambe. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9, vous avez vu, bras opposés à ma jambe, et 10. Ok, on va faire la même chose, sauf que cette fois, on va monter sur demi-pointe. Donc je suis ici, et 1, je monte, et 2, je monte, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ok, je change de jambe, c'est parti, et 1. Et 2 quand je monte, je rentre mon ventre. 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, et 10. Ok, je passe sur une jambe, je maintiens ici, je fixe un point devant, et dans cette position, on va venir passer vers l'intérieur, et on retourne sur l'extérieur. Très bien, deuxième, vers l'intérieur et sur l'extérieur, parfait, troisième, intérieur et extérieur, mon regard suit toujours la trajectoire, extérieur, parfait, dernier, et sur l'extérieur, ok, même chose sur l'autre côté, ma jambe, pas complètement tendue, pas complètement fléchie non plus. Il y a une toute petite semi-flexion qui se crée vers l'intérieur et vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. C'est vraiment de la proprioception au niveau de la cheville. Je pense que vous sentez votre orteil gripper le sol. Ça, c'est très important. Ok, il nous en reste deux. Ok, et on va bien. Très bien, je repasse sur l'autre jambe. Dans cette position, cette fois on verrouille la jambe tendue. Donc là je forme un angle à 90 avec mon genou. Et on va venir juste fermer les yeux. 1, 2 jusqu'à 10, 3, 4. Oh, je sens que ça commence à déséquilibrer, mais c'est pas grave. 6, 7, allez, allez, 8, 9 et 10. Ok, pensez à votre gros orteil. C'est vraiment très important, en fait, faut qu'il prenne le sol. Donc j'agrippe avec mon orteil. Allez, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, allez, c'est bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, vous allez voir qu'au fur et à mesure de faire, c'est beaucoup plus simple. Allez, on attaque par des squats, c'est parti. Je suis ici et je descends. 1, et 2, j'inspire sur la descente. Et 3, et je remonte en soufflant. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je trottine. Je vais sur place ici pour récupérer. Je relâche bien les bras, pardon. Ok, on est reparti. Donc mes pieds, un petit peu plus larges que mes hanches. J'ouvre un tout petit peu aussi mes pieds pour avoir une bonne mobilité au niveau du bassin. Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se retient. Très bien. Donc là, vous allez voir, je vais me mettre de profil. Il faut que quand vous descendez, vous n'ayez pas le bassin qui tombe en rétroversion en fait. Faut pas que le bassin tourne comme ça. Faut vraiment tirer les fesses vraiment bien derrière. Ok.
respire, on y va, c'est parti. Allez, je tire 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, allez, on récupère. Allez, on relâche bien les bras. Ok, maintenant on part sur des feintes, donc feintes sur place. Donc je me positionne ici, donc vous voyez, là je forme un angle à 90 ici. Mon genou ne dépasse pas ma cheville. Donc je suis là et on va faire 10. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je change. Même chose, on y va. Et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je trottine. Normalement, ça doit commencer déjà à chauffer dans les quadriceps, donc dans l'avant des cuisses ici. Allez. Donc là, je trottine un petit peu pour essayer de solliciter un petit peu en même temps mes mollets. Parce que les exercices de mollets, c'est pas facile de les faire. Donc on trottine et en même temps on fait de la récup. Allez, même chose, on repart sur l'autre jambe. On y va, et go. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on change. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on trottine. Donc on a fait deux séries, j'en veux 3. Allez, on pense bien à récupérer, on inspire, on souffle, on relâche les bras. Qui aurait dit que j'aurais fait ça chez moi, ici, surtout en team. Normalement, je suis au Canada en ce moment. Allez, on y va. Et c'est parti. 1 et 2. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ok, je change et on y va. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, où ça chauffe, hein? Donc là on a fait les fentes, on a fait les squats, maintenant on va combiner les deux. On va combiner les fentes et les squats. Allez, on relâche, on récupère. Donc toujours, le squat sera au milieu. On va faire squat, fente, squat, fente, squat, fente et ainsi de suite. Ok, on va faire 5 allers-retours. Allez, prêt? On est parti, on commence sur le squat. Et go. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Et ça fait 5. Ok, on relâche. Ok. Ça pareil 3 fois. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez même sauter entre les squats, fente, squat, fente. Ok? C'est comme vous voulez. Ce que je veux, c'est toujours respecter une bonne position. Donc, vous ne précipitez pas. Si vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas besoin de sauter. On fait le mouvement correctement. C'est parti. Et 1. On a fait 2. Fait 3, allez. On a fait 4, allez. C'est le dernier là. Oh, ça brûle. Ok. Ok, on récupère. Allez, dernière série. Allez. On récupère. On relâche les bras. Ok, très bien. Vous êtes prêts pour la dernière série?
Allez, on y va. Et on est parti. Allez. Allez, ça fait un. Allez, la deuxième. On en a fait trois. Allez, c'est bien. Quatre. Allez, la dernière. Et. Ok. Ah, ça commence à brûler. Hein. Allez, récupérer, marcher un petit peu. Ok, donc on en a fini avec les quadriceps. Maintenant, on va attaquer l'arrière des cuisses, donc les disques jambiers. Alors, on va se placer au sol, sur le dos. Allez, on est parti. Ok. Alors, on se place sur le dos comme ceci, les mains ici. Et donc là, ce que je veux, c'est que vous posiez uniquement les talons. Donc après, à vous de voir. Plus vous allez loin là, plus vous allez solliciter vos ischios. Ici, c'est plus facile. Là, on est un peu plus compliqué. Donc à vous de voir. Allez, on se met ici et on va venir monter le bassin au plafond pour avoir une extension complète au niveau du buste et des jambes. Donc je suis ici et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je pose. Ok, je récupère 10 secondes. Je souffle bien. Allez, on se reprépare. À vous de voir au niveau des pieds, c'est vous qui voyez. Au niveau de la distance, c'est parti. Je monte et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, je relâche, je récupère. Allez, 10 secondes. On récupère, on pense vraiment à bien souffler, j'inspire par le nez, et je souffle par la bouche. Allez, on est reparti pour la troisième série. Allez, c'est parti, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, ouais, c'est bien, 9, et 10, je tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, je relâche. Ok, je récupère 10 secondes, on va repartir sur une série mais qui va être différente, tout en sollicitant toujours les ischios jambiers. Donc je suis ici, je vais monter en fait sur deux jambes et je vais retenir la descente sur une jambe. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Allez, on y va. Je monte, je tends la jambe, je tiens jusqu'en bas. 1, je monte, je tends. 2, ok. Je monte, je tends, je retiens. 3, ok. Je monte, je tends, je retiens. 4, ok. Je monte, je tends, je retiens. Et 5. Très bien, l'autre jambe. Je monte, je tends, je retiens. Ok. Je monte. Je tends, allez, retiens, ok. Troisième, je monte, je tends, on retient, ok. Quatrième, je monte, je tends, on retient, ok. Dernière, je monte, je tends, et retiens, ok. Allez, on récupère. Alors là, on sent bien les ischios derrière, on va refaire une deuxième série sur cet exercice. On récupère. Je souffle. Allez, on y va, c'est reparti. 1, je tends, je retiens, ok. Allez, on repart. Deuxième, et je retiens, ok. Hop. Troisième, très bien. Allez, je monte. Quatrième, je retiens, ok. Allez, cinquième, je retiens, parfait. Allez, je monte, on change. Je retiens, ok. Je monte, je tends la jambe, on retient, ok. Allez, troisième, je monte, je tends, on retient, ok. Allez, quatrième, on retient, ok. Dernière, je tends, on retient, ok. Très bien, allez, dernier exercice pour les ischios. J'espère que ça va, hein, j'espère que vous tenez le coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours rester avec le bassin très très haut, ok.
Donc je suis ici, toujours sur les talons, on pose pas les pieds, je veux vraiment bien qu'on sollicite les ischios. Je suis ici, on va faire une alternance de jambes. Je tends et je reste en haut. Allez, c'est ça. Hop. 2. Ok. 3. Parfait. Ok. 4. Très bien. Allez. 5. Maintenant, je vais vous demander d'aller un peu plus loin sur le posé des pieds. On va poser un peu plus loin pour, voilà, vous devez sentir là que ça tire au niveau des ischios. Allez, 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 on pose plus loin, on pose plus loin. C'est ça. Allez, on est à 7. Allez, 8. C'est ça, très bien. Allez, 9. Allez, on garde le bassin haut. Et dernière, 10. Et ok. On récupère. 10 secondes, on fera exactement la même chose. Donc, vous avez vu, là, j'ai éloigné mes pieds. Donc, plus j'éloigne mes pieds, plus je sollicite mes ischios jambiers. On est reparti, on monte. Allez, c'est parti. 1, c'est ça. Allez, 2. Très bien. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Je crois que j'en ai fait une de trop sur la dernière. Ok pour les ischios les amis. Très bien. Il nous reste quoi là? Adducteur et fessier bien entendu. Eh oui. Faut pas qu'on oublie ça. Hein. Pour les personnes qui se sont fait opérer du ligament croisé, parce que je sais que j'avais fait cette chaîne par rapport à ça, très important tous ces exercices pour la stabilité de votre genou. Donc même pour ceux qui ont des douleurs au genou, c'est vraiment super important. Ok, donc on passe sur les adducteurs maintenant. Si vous pouvez aller me chercher une petite feuille blanche A4, mettez sur pause et revenez vite fait. Allez, on y va. Ok, donc tout le monde a sa feuille blanche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le pied sur la feuille. Très bien. Et on va laisser glisser le pied. Et en appuyant dans le sol, on va remonter. Donc pour vraiment solliciter nos adducteurs. Donc je suis ici, je prends ma feuille et je vais descendre ici. Donc je ne pousse pas avec ma jambe ici pour remonter. C'est j'appuie dans le sol pour solliciter mon adducteur. Ici, et j'appuie. Allez, j'appuie. 3. 4. Très bien. 5, on a quand même le quadré qui travaille hein, parce qu'on a bien sollicité. 6, ma feuille est en train de partir en vrille. 7, 8, 9, allez, on appuie pour remonter. Et 10, ok. Allez, l'autre côté, même chose. Ici, allez, j'appuie dans le sol. 1, 2, j'appuie. Allez, 3, 4, allez, j'appuie. 5. 6, allez j'appuie, 7, 8, 9, dernière, et 10, ok. Allez, il nous reste une dernière série, juste ne vous inquiétez pas si vous ne les sentez pas assez, essayez toujours de penser à appuyer dans le sol pour justement bien les solliciter les adducteurs. Je sais que c'est pas facile à ressentir, surtout quand on a fait le gros travail au niveau du quadriceps juste avant, mais ces exercices sont importants. Allez, c'est parti, dernière série, on y va. Allez, je suis là et j'appuie pour remonter. 1. Allez, on appuie. 2. Allez, 3. 4. Allez, c'est bien. J'appuie. 5. 6. 7. 8. 9. Ok. Et 10. Ok. Allez. L'autre pied, on est parti. Et 1. Un peu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, allez. J'appuie. 9. Dernière. Et 10. Ok. Fini. Allez, il ne reste plus que les fessiers, les amis. Fini d'être debout, on n'a plus qu'à se mettre au sol et puis on termine sur les fessiers. Allez, on est parti. Ok, je me place au sol, sur le côté. Donc, je vais positionner donc, ma main comme ceci et ma jambe ici. Je vais ramener ma pointe de pied vers moi et mettre le talon vers le haut. Dans cette position, je vais venir monter. 1, allez, on y va. 2, et 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, on tient là-haut. 1, 2, 3, on envoie le talon vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On part devant, devant et derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, et 10. On va maintenir derrière le plus haut possible en envoyant le talon vers le haut. 1, 2, ça doit brûler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On repasse devant et on va monter. 1, et 2, et 3. Si c'est trop dur, vous pouvez fléchir la jambe de derrière pour que ce soit un peu plus facile. Allez, c'est comme vous voulez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on tient. 1, 2, on envoie la talon vers le haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Normalement, vous devez bien sentir. Hein. Même chose de l'autre côté. Allez, on est ici, c'est parti. On y va. Et 1, qu'est-ce que je fais? On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on tient. 1, 2, 3, le talon. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, devant, derrière talon. Allez, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, et 10, on tient, talon vers le haut, 1, 2, 3, 4, allez, on monte, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, allez, on passe devant, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on tient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'espère que les chaussettes sont propres, hein. 9 et 10, ok. On repasse de l'autre côté. Eh oui, on fait ça deux fois. Je crois que j'en ai même oublié un exercice. Pas un exercice, je parle juste une petite série. Allez, on va jusqu'au bout, c'est parti, on lâche rien. On est presque à la fin là, les amis. Allez, on y va. Prêt? C'est parti, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Devant, 1, derrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient derrière, talon le haut, talon vers le haut, pardon. 3, 4, 5, ça tire, 6, 7, plus haut, 8, 9 et 10, on relâche. Ça doit brûler, là, ça doit brûler. Allez, on passe ici. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est la toute dernière série, les amis. Et après, on a fini la séance. Allez, on lâche rien jusqu'au bout. Parti. 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, 10. On tient là-haut. 1, 2, 3, le talon vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8. Putain, ça monte plus très haut là. 9 et 10. Ouh, là, je les sens bien les fessiers. Hein. Allez, devant et derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et 10 derrière, talon vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Oh, ça monte plus très haut. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient. 1, 2, 3, les dernières 7 secondes. 4, 6, pardon, 5, 4, 3, 2, 1. Fini. Ok, les amis. Ah, donc voilà, grosse sollicitation au niveau des membres inférieurs aujourd'hui. On a vraiment essayé de tout solliciter. Allez, je dirais que ce qui sollicite un petit peu moins, c'est les mollets et les adducteurs. C'est assez compliqué de les solliciter avec des exercices sans matos. En tout cas, bravo à vous si vous avez été jusqu'au bout de la séance. Et même s'il y a eu des exercices qui ont été plus durs que l'autre, c'est pas grave, le principal, c'est de faire quelque chose. Alors en tout cas, je vous encourage à bouger, hein, ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, même si c'est pas trop long. Je sais qu'aujourd'hui, la séance était un peu plus longue que la séance que j'ai faite sur les abdos gainage, mais étant donné qu'il y a plus de groupes musculaires, bah, forcément c'est un petit peu plus long. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Moi justement, bah, ça me permet de continuer ces vidéos parce que c'est grâce à vous, à vos petits j'aime en vous abonnant que bah, la chaîne elle continue à vivre. En tout cas, un grand merci et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez chez vous. Salut les amis, ciao.